Vix. Ouais. Sympa ce petit repas aux chandelles, hein? Ouais, j'aime bien. Manque que les chandelles, mais bon. Tu Ben, sais c'est ça. Il manque quoi? la petite Bah bougie. ben ouais, c'est ça, il manque la petite bougie. Tu sais ce que je me disais? Non. Tu vois mon épaule? Ouais, je vois ton épaule. Il n'y a rien dessus. Ah. Et je me disais, est-ce que ce serait peut-être pas le moment de mettre quelque chose dessus? Eh bien, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça paraît quand même bien vide. Ouais. Et je pense que tu as entièrement raison. Bon, on met quoi? On met une biquette? Non, non, pas pour les Vikings. Elles sont vertes en plus, c'est pas ouf, hein. En plus, en plus. Je te propose qu'on essaye de remédier à ça et qu'on trouve quelque chose de sympa à mettre sur l'épaule. Un truc nouveau? Un truc nouveau? Allez. C'est parti. Et bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette petite intro vous aura plu. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le 17e je crois, ou quelque chose comme ça, pour notre série sur Fjordur. Et aujourd'hui au programme, on va essayer, vous l'avez compris je pense, d'aller apprivoiser des Fjordhawk. Ça promet, je suis en compagnie de Vixie évidemment, et bah, ma foi j'ai envie de vous dire que c'est parti. On va se balader un petit peu ici, puisque je pense que c'est par ici qu'on va en trouver. Et regarde Vixie, t'as vu ce que tu peux faire? Sur les volants, tu fais un clic droit, ça va te mettre une marque dessus, tu refais clic droit, et tu lui dashes dessus. Ouais. Et tu sais, ça le cloue au sol en plus. Ah ouais? Ouais, oh ouais. Oh yo yo. Ah bah tiens, regarde, qu'est-ce que c'est que ça là? Quoi? Fjordhawk 135. Ah, ce petit machin là? Ouais, c'est ça. Tu es mignon. Bah ouais, t'as vu comme c'est joli? J'ai aucune idée de comment on va le tamer. Enfin si, j'ai une petite idée, mais Je voudrais pas dire, mais il s'est rapproché quand on était en plein fight, hein. Ouais. L'air de dire que... Oh, il est intéressé, là, il est intéressé, là. Ouais, je pense que tu as raison. Attends, regarde. Il y a un raptor ici. Ouais. Il se bat avec quoi? Ah, le Fjordhawk nous suit. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y va? Arrête. Ok, il bouffe la carcasse. Ah, c'est trop stylé. Ok, il a bouffé le raptor, ça a fait 1% d'effectiveness. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Si, si, si. Oh, yo, yo. 1% Vixie. Il va nous suivre encore? Bah, je sais pas. Très bien, mais s'ils nous suivent tous, à la fin, on va avoir 14 millions de Fjordhawks, s'il y en a plusieurs. Bah, ça me fait penser à... Bébête, là. Les bébêtes? Ouais, tu sais, les... Ah, oh, c'était génial, ça. Les Cynomacrops? Ouais, c'est ça. C'était trop bien, ouais. Ah, tu sais quoi? Non. Je me demande s'il faut pas être... à pied à côté de lui pendant qu'il mange. Faudrait peut-être dismount. Tu crois? Je sais pas, là, il y a un niveau 50. Je suis dismount à côté de lui pendant qu'il mange. Et je suis à 6,6%. Je lui ai fait manger des insectes. D'accord, et t'es où exactement là? Là où on était tout à l'heure, il y a un... Si tu mets le suivi de time, tu me retrouveras. Il y a un stego. Je vais leur faire manger le stego. Donc ça c'est quoi? C'est le 135. Oh, il y a 3 Fjordhawk avec moi. Au secours. Ok, donc j'ai réussi à isoler le Fjordhawk, le 135, j'ai tué les autres. Par contre, je l'ai un petit peu tapé du coup. Je viens de tuer un raptor, je suis à pied. Donc j'ai dismount, je me mets à côté pendant qu'il mange. Il prend 0,5 par coup sur le raptor. On n'est pas rendu, il est à 1,4% là du coup. Ok, donc là je suis sur le mammouth. Ah, ça marche bien le mammouth. 5,6, c'est 3% par coup le mammouth je crois. Un peu moins, 2. Ok, allez viens avec moi, il y en a d'autres là-bas des mammouths, on va aller les tuer. En fait, et je sais ce que je vais faire. Là, je l'ai avec moi. Je vais le faire me suivre et je vais sortir du biome où il pop. Au moins, je suis sûr qu'il n'y en aura pas d'autres, tu sais. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait là, je l'ai emmené dans... Ben, j'essaye de l'emmener en haut de la montagne parce qu'il ouais. Y a plein de dinos là-haut. C'est vrai. Bon, tu viens? Regarde, il y a une belle carcasse pour toi qui t'attend là. Mmh, c'est bon. Ah, ça y est, il se pose. Il va le manger. Oh, le chalicot, c'est pas mal, hein.
C'est 2% par croc. Chalicotherium. C'est pas mal du tout. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne sur ça, là? Oh, il a pris le petit sac. La bestiale, elle avait loot un truc, il l'a pris le sac. Qu'est-ce qu'il fait? Donne. C'est trop drôle. C'est bon, le rhinophéros. Qu'est-ce que tu fais? Viens, mon petit. C'est toi qui as laissé tomber ça? Allez, vas-y. Oh, le rhinocéros, Vixi, ça marche très très bien aussi. Ah ouais? Ouais, je pense que plus c'est gros et plus ça fonctionne. Ouais, s'il faut, tu sais, peut-être la quantité de prime que ça donne. Ouais, c'est possible. J'en ai un! Tu as réussi à le tame? Ouais. Ah, bien joué. Quel niveau, du coup? 18! Yeah, Vixi, bien joué! Oh mon dieu. Oui, ça y est, regardez, j'ai dépassé les 51%. Oui, on est presque à la moitié. Enfin, on est à la moitié. Mais je pense que j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie en essayant de tamer ce truc. Au bas mot. Je crois qu'il y en a un... Ouais, il y en a un ici. Au bas mot. C'est l'enfer. L'horreur. Bon, il s'est fait taper par une Meganora. Il s'est repassé à 0%. Donc, je vais faire un truc que je fais rarement. C'est qu'il m'énerve tellement que je vais le buter, cette saleté de bestiole. Voilà. Oh. Oh, c'est horrible à tamer. Horrible. Allez, maintenant que j'ai compris le principe, on va tenter de faire cette petite femelle qu'elle a. Je pense que ça, c'est ce que Vixi a dû commencer. Elle a dû partir, donc elle finira pas cet épisode avec nous. Parce que c'est archi long en plus. C'est très, 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 très long à faire. Donc, on va essayer avec celui-là. 50, ça devrait aller plus vite que pour le 135. Le 135, c'était le coup d'essai. Et là, c'est parti pour le vrai. Et d'ailleurs, je crois que Vixi a apprivoisé un mâle. Donc si on a déjà un petit couple, on pourra voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que les stats soient intéressantes sur ces créatures là, on verra. Je sais pas du tout ce que ça fait encore. Bon, ça c'est de nouveau reset parce qu'il a pris un coup d'un mammouth. Quand vous tamez ce truc là, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché, hein. Si vous avez passé une mauvaise journée, faites pas un fjord hawk. Allez faire ce que vous voulez en vrai, mais pas un fjord hawk. Là c'est risqué, là c'est pas bon. C'est le moment où c'est pas bon. En plus, il faut pas qu'il meure. Qu'est-ce qu'il fait? Il a son petit sac, il est là, il se trimballe. Il sait pas trop. Je le déteste déjà. Je l'ai pas encore tamé que je le hais. C'est même pas... Non, je le déteste pas. Je le hais. Allez, viens manger. Ouais, c'est bien, tu m'as ramené le sac, c'est bien. Oh, la petite corne, merci. Il va se faire taper, il va se faire taper. Il va se faire taper. Viens ici, Shadowman. Allez, meurs. Aïe. Meurs, meurs, meurs. Ah bah, j'ai tiré sur mon Shadowman, tiens. Ah, il s'est fait taper, voilà, c'est repassé à zéro. Ah, le mammouth, c'est pas mal pour l'effectiveness, hein. Ça a 13% en un mammouth. Par contre, bah, quand tu vas faire le deuxième mammouth, tu repasses à 13% parce qu'il se fait taper. L'enfer. Ah, je pense que c'est pour nous punir. Et je pense que le timing du Fjord Hawk a été créé pour nous punir en tant que joueur. Pour tous les moments où on a dit ouais, wildcard, ils sont jamais à l'heure, ils sortent toujours des trucs en retard et tout. Ouais, on sort des trucs en retard. Eh bah tiens, prends pas ça dans la figure. Alors, on est à 13,8%. On va voir combien on va prendre sur le rhino. C'est 4% par coup sur un rhino. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Rhinocéros, c'est pas mal. Après, le mieux pour le moment que j'ai trouvé, je crois que c'est le mammouth avec les 4% par coup. Mais bah, le mammouth, le problème, c'est que c'est hyper risqué. Parce qu'il y a une probabilité non négligeable pour que le Fjord Hawk...
le temps qu'on arrive à tuer le mammouth vienne en fait et se prenne des coups. Il a eu le manger sans moi. Ok, j'ai deux cadavres de mammouth côte à côte. En vrai, là, je peux faire 4 x 3, 12. Je peux faire 24% d'un coup, là. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il veut retourner... Qu'est-ce qu'il fait? J'en peux plus. Au secours. Venez me chercher, s'il vous plaît. Par pitié. Ah, ça y est. Venez me chercher. Oh, il est mort trop bizarrement, le mammouth, en plus. Alors, 34, 38, 42, 46, 50. Je suis jamais allé plus loin que 50. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Ah, 43, 48, 52,6. Oh là 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 là, c'est le moment où ça reset en général, ça. Alors, on a un petit chalicot ici. Les chalicots, c'est pas mal parce que ça donne bien. Ouais, c'est ça. Chalicot, franchement, c'est vraiment pas mal parce que c'est pas compliqué à tuer. Ça fait pas des dingueries dans tous les sens et ça donne presque autant qu'un mammouth. J'aime bien faire le petit ankylo ici. Je peux le traîner? Ouais, je... Allô? Je peux pas le traîner? Merci. Ah, tiens, vas-y, 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 vas-y. Oh non, 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 il fait Luke Skywalker. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 74,8. Il arrive pas à le manger parce que le truc glisse. Ah ah ah. 76,9. Ok, 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 ok. Oh là là, on est proche, on est proche, on est proche. Je commence à avoir le cœur qui bat. Plus vite que la normale. J'ai peur, j'ai peur. Quand il est dos à moi, j'ai peur. C'est bon, il est mort. Allez, viens. Regarde. Le bon chalicot. Oh là là! 88. 92,7. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'on a par là? Un argent à vis. Oh, je le sens bien, l'argent à vis. Ah! Ok, l'argent à vis, c'était le. Ça a été le. C'était pour le Shadowman. Il a dit non, ça c'est pour moi. Dis donc, il y en a que pour le petit oiseau. Bah moi j'existe. Parce que le Shadowman parle comme ça en fait, hein, dans la vraie vie. Le Shadowman, il a cette voix-là. Argent à vis, on va réessayer. Derrière c'est des mammouths. Ça devrait être safe. Ouais, ils sont en train de se battre avec des je sais pas trop quoi. Ça devrait le faire. 96. Oh, l'argent à vie, c'est 3%. Yes! C'est bon! J'ai réussi! Ok! Waouh! Quel enfer! Quelle horreur, je dirais même. Est-ce que... Désactiver la détection des proies? Bah non, du coup. Alors, comment ça marche maintenant? À quoi ça sert? Parce que si ça sert à rien... Je pense que je me coupe un bras. Je vois bien le bras au moins, ouais, si ça sert à rien. Je crois qu'il va ramasser les petits sacs, non? Oula. Donc si j'ai bien compris, déjà c'est comme les loups, on peut voir les cibles. Avec le niveau de points de vie qu'elles ont, si elles en ont de moins en moins par exemple. Donc ça c'est pas mal. Un autre truc qui est vraiment trop bien, et alors ça, ça aurait pu nous servir plein de fois. C'est que quand il y a un sac par terre... Ça met une tête de mort par terre. Alors là, j'aimerais bien qu'il nous fasse un sac, lui, qu'on donne l'exemple. Mais non, puisque je les loot. Donc c'est pas bon. Mais ça met une espèce de petite tête de mort par terre qui nous permet de savoir qu'il y a un sac par terre, justement. Et donc on peut retrouver potentiellement ses affaires, par exemple. Vous savez, quand vous êtes mort et qu'il y a le sac avec votre stuff qui est un peu paumé, on sait pas trop où. Bah, de cette façon, on peut le retrouver. Tiens, regardez. Comme ceci. Et donc si j'ai bien compris, alors en fait quand on l'a sur l'épaule, du coup, hop, tac, c'est bien mon petit. En vrai c'est pas mal, quand on l'a sur l'épaule, on fait deux fois F vers le petit crâne là, donc la touche pour jeter finalement, et il nous ramène le sac. Et ça franchement c'est pas mal, surtout en PvE, bon voilà, mais en PvP j'imagine que
Ça peut être pratique. Je sais pas trop, moi je joue pas en PVP à ce jeu, donc il y a plein de choses que je connais pas par rapport à ça, mais j'imagine que ça peut être pratique. Et après, il y a un truc qui peut être pas mal, c'est que si jamais vous avez un sac, vous savez quand vous transportez un sac qui est trop lourd, par exemple, hop, et que vous voulez ramener un sac full bois, par exemple, jusqu'à la base, là, tu drops tout ce que t'as sur ta bestiole, tu fais ça, hop, il te le ramène, et limite, si tu cours, il te suit après, derrière. Ah non, il va à ma dernière position. Il me cherche, il va devenir fou. Moi, je le trouve plus, mon maître. Je le trouve plus, au secours. Ok. Ah ouais, pour ça, c'est pratique. C'est vraiment pratique. Et jusqu'où je peux le faire? J'imagine que ça va être jusqu'au rayon de détection du truc. Admettons. Ah, ça y est, je suis trop loin. Tac. Allez, vas-y. Ah ouais. Ah, ça, c'est pas mal, tiens. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, parce que je pense qu'il allait manger le cadavre qu'il y a là, non? Tac, si je lui fais faire ça. Ouais, c'est ça, il s'est posé comme quand on essaye de le tame. D'accord. Ok, trop cool. Alors après, autre fonctionnalité, celle-ci, on m'en a parlé et on m'a dit que c'était absolument fumé. Donc on va pouvoir découvrir tout ça. Ah, je sais pas si ça marche quand on est en intérieur, par contre. C'est quand on fait une voyage rapide, ou quand on meurt aussi. Il est censé nous apporter notre stuff. Là où nous réapparaissons. Donc, admettons, je voyage jusqu'ici. Et il est là. Et ça, c'est n'importe quoi. Il y a tout ton stuff à l'intérieur. Et en fait, ça, c'est n'importe quoi parce que, du coup, admettons, tu pars farmer. Donc, tu pars farmer, tu te full slot de métal, par exemple. Bah, métal, enfin, tu pourras pas parce qu'au bout d'un moment, ton personnage... quoi que si, il y a toujours des moyens. Après, tu drops par terre avec comme coup de fouet. Bref, tu te full métal. Je sais pas jusqu'à quelle capacité, quelle quantité de matériaux il peut apporter parce que je crois pas qu'il y ait de limite de poids de ce qu'il transporte, mais plutôt une limite de slot. Et je sais pas à combien de slots il est limité. Mais bref, c'est fumé. Parce que, bah, tu... Voilà. Là, imaginez, hein, j'ai fermé mon métal. Ok. Et du coup, bah, hop, je pose un lit. Voyage rapide. Bam. Je rentre à la maison. Et hop. Voilà. Et là, il y a bah, toutes mes affaires dans un sac sous le lit, je crois. Donc, ça a bel et bien fonctionné. Sauf que mon sac était sur le toit, du coup. Probablement parce que j'ai dû réapparaître sur un lit modé ou l'inverse, bref. Mais bon voilà, sur le principe, je trouve ça assez bizarre. Et alors apparemment, même en PVP, en fait, il faudrait réussir à tuer, au moment où le joueur meurt, le Fjord Hawk. Mais il semblerait que ce soit très difficile parce qu'il est hyper résistant à partir du moment où on meurt. Même en PVE, hein, vous faites une grotte par exemple, je sais pas, vous allez piquer des œufs. Des œufs de Magmazor ou des œufs de Wyvern, peu importe. Genre, si on avait eu ça par exemple sur Scorch, on aurait pu gagner un temps fou. C'est l'équivalent d'une pierre tombale en fait, tout simplement. Le mode pierre tombale. Vous savez, celui où vous mettez devant, quand vous êtes mort, vous appuyez, vous récupérez votre stuff. Donc c'est bien, mais en même temps, j'ai du mal à saisir l'intérêt en termes de gameplay de ce truc là. Mais bon, bref. On va faire des petits héros pro. Je vais essayer de voir si je trouve le mal que Vixie a apprivoisé. Donc elle m'a dit qu'elle l'avait mis à l'entrée. Bah oui, il est juste là. Hop. Après, c'est mignon. Franchement, j'ai saigné du nez pour le tame. Mais je pense que prendre un gros level ou pas, ça sert absolument à rien. Ah, il est niveau 18, celui qu'elle a récupéré. C'est celui qu'elle a fait au tout début, je crois. Je suis pas sûr que le niveau ait vraiment une utilité. À part peut-être pour les stats, style la vie, etc. Qu'il soit justement le plus résistant possible, mais j'arrive même pas à accéder à son inventaire. Bizarre, ça. Mais du coup, l'intérêt de faire un 150, je sais pas. Je sais pas. À part perdre 10 années d'espérance de vie, sinon je sais pas trop. Bon, ils nous ont fait une petite neuf. Trop froid. Je vais l'amener... Je vais le faire éclore ici. Hop.
Je suis sûr qu'un bébé, Fjordhawk, ça doit être trop mignon. Attention, les petits bébés, il va sortir de l'œuf et pof. Oh, oh là là. Oh je, mais j'arrive même pas à cliquer dessus. Ah. Oh là là, tu es trop mignon. Regardez, il me regarde avec ses petits yeux. Oh, je l'aime déjà. Attends, viens. Viens là, mon petit. Ah, j'ai rien à lui faire manger, tiens. Ça, c'est un peu bébête, par contre. Prends ça. Ah, je peux rien lui donner. Oh là, comment ça s'élève, ces trucs-là, tiens. Viens, mon petit. Est-ce qu'il nous reste un peu de viande là-dedans? Ouais. Peut-être qu'il lui faut une... Allez, viens. Peut-être qu'il lui faut une maman... Oh, regardez ça. Oh, je fonds. Oh, je craque littéralement. C'est, si vous connaissez Dofus ou Wakfu, moi je connais pas Dofus, mais j'ai joué à Wakfu. Je crois qu'ils y sont sur. Ils y sont sur Dofus aussi. On dirait des Piou. Ça s'appelle comme ça, je crois, non? Oh là là. Oh, c'est tellement mignon. C'est tout frêle. T'as envie de. Ah si, c'est bon, je lui donne de la viande, ça marche. T'as envie de le prendre dans le creux de ta main, comme ça je vais lui faire moi, tu es mignon, tu es bébé. Moi, oui. Oh là là. Oh, le kiff absolu. J'adore. Attendez, est-ce que je peux le mettre dans le Mewing? Je vais. On va faire ça. Tac. Portée faible, très proche. Allez, viens. Oui, mon petit, c'est bien. Allez, viens voir Papa Mutsu. Hop, tac. Il est encore un peu loin. Ah, s'il faut, je peux pas le mettre dans le Mewing. Oh, c'est pas Mewingable. Oh, je viens d'inventer un terme. Ce n'est pas Mewingable. C'est-à-dire que je ne peux pas le mettre dans le Mewing. Incroyable. Bon, c'est pas très grave, ceci dit. Parce que je peux le laisser là. Et normalement, lui, il le nourrit. Donc c'est ok tiers. Oh, c'est trop mignon. Je craque. Et du coup, quelle tête ça a un peu maintenant qu'il fait beau. Ils sont beaux, hein. Le modèle est très très beau par contre. Hein. Ça doit faire un petit peu mal sur l'épaule quand on n'est pas habillé, quand il se pose, mais... Ouais, le modèle est vraiment très 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 joli. Bon bah messieurs, dames, écoutez, voilà, le petit Fjordhawk, il est en train de grandir. Il prend son temps, mais il grandit. C'est un beau petit bébé. En tout cas, je sais pas si je peux dire que j'ai pris du plaisir à vous préparer cet épisode. Enfin si, en réalité, j'ai pris du plaisir à préparer l'épisode. Il n'y a pas de problème, ça, ce sera toujours du plaisir. Là où ça a été un peu moins plaisant, c'était le timing du Fjordhawk. J'avoue que bon, il y a des petits moments comme ça où... tu te dis, oh bah je vais peut-être tout casser, tiens, voilà. Et mais non, si jamais vous devez tamer un Fjordhawk, soit vous avez une patience infinie, et dans ces cas-là, faites n'importe quel niveau. Sinon, conseil, dépassez pas le level 80. Je pense que de toute façon, ça sert à rien d'avoir des grosses stats, et puis un gros niveau, bon voilà. Bref, c'était vraiment cool, dans tous les cas, si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Merci d'avoir visionné cet épisode, c'était Vixie et Mutsu sur l'Immersive Télévision. Merci à tous les membres de la chaîne, merci à vous pour votre soutien, le nom est en train de s'afficher en ce moment même. N'oubliez pas, hein, si vous souhaitez soutenir la chaîne d'ailleurs, vous pouvez devenir membre, vous avez les infos dans la description de la vidéo, et tous les petits boutons sur YouTube, je vous laisse faire, et merci, voilà, merci pour tout, c'est juste incroyable, on se rapproche de plus en plus des 100 000 abonnés, c'est trop cool. Allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut !